Bonjour tout le monde, avant que la vidéo commence, je vous présente ma boutique de t-shirts. Donc à l'intérieur, vous pouvez trouver des centaines de produits à l'effigie des personnages qui jouent dans mes vidéos. Donc le lien, il est dans la description. Vous pouvez choisir plein de tailles, plein de coloris. Et il y a des nouveaux produits qui sortent toutes les semaines. Donc allez-y, foncez. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Et bonjour tout le monde, c'est Oxymos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, eh bien on va connaître si ma copine va avoir un garçon ou une fille. Ça va être un truc de ouf. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de likes. Une vue est égale à un like. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours les amis. Et d'ailleurs n'oubliez pas une autre chose, c'est que là on est samedi et vous avez jusqu'à demain pour commander avec le code NOEL10 dans la boutique. Ça vous donnera 10% de réduction, donc voilà, vous pourrez toujours commander après évidemment, mais vous aurez plus de code de réduction. Donc let's go commander à mort les amis sur la boutique maintenant que bah il y a encore le code. Vous avez tout le week-end. Et d'ailleurs cet après-midi je sors aussi une vidéo. Merci à Pandox 006 Pandox, Laure Schmidt, Cindy Lacombe, Jamila Benjama et moi et cousin. Donc merci beaucoup à vous, c'est ceux qui sont abonnés hier. Donc si vous voulez avoir une dédicace dans la vidéo de demain, eh bien abonnez-vous. Et d'ailleurs on est bientôt aux 575 000 abonnés. Donc qu'est-ce que ça veut dire les amis? Ça veut dire qu'on va ressusciter Manon. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, c'est le bouton rouge. Regardez, ah bah on le voit pas ici, bon bah dommage. Regardez, on s'est enfermé, on s'est auto-enfermé les amis hier. Tout simplement parce que Carmen rôdait devant chez moi. Et je crois qu'il y a toujours le cadavre. Alors... j'ai dormi depuis et tout, donc elle a dû partir, hein, j'imagine. Donc attendez, ouais c'est bon, elle est partie. Bon, il y a toujours Mickaël qui est là. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que hop, on va aller chez ma copine. On va après l'amener chez le médecin. Et après le médecin va faire, vous savez, une échographie, tous les trucs pour savoir, voilà, va analyser le ventre de ma copine. Et du coup bah on va savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc voilà, c'est un truc de fou les amis. J'ai trop hâte. Allez, let's go, on y va. Oh là là, mettez un max de pouces bleus les amis pour cette vidéo, c'est incroyable. Oh, il y a toujours la voiture de Dark Luke. J'espère qu'elle marche toujours parce que j'en aurai encore besoin. Bon, allez, let's go les amis. Oh bah regardez, elle est déjà à l'intérieur, elle est là. Alors, oh. Ah bah du coup, il est là. Wouh. Ça va, Miss Liv? Bah ça va et toi? Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Ah bah dis donc, c'est le grand jour là, on va aller chez le médecin, comme c'était prévu. Mais oui, ça va être trop cool. Bon, par contre, je suis vraiment trop grosse, là. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Waouh, ah ouais. Mais dis donc, mais c'est pas normal. Il y a beaucoup de bébés là-dedans, là. Il y en a 10 au moins. Ça va pas la tête, 10 bébés, t'imagines? Oh, il y a plein de petits bébés oxymoses. Non. C'est toi qui t'en occupes, hein, si c'est ça. Ah non, c'est bon. On appellera des gens, ils s'en occuperont. Bon. Ah, mais je suis trop pressée de savoir vraiment, là je suis trop impatiente et j'y pensais, est-ce qu'il y a toutes les fleurs? Parce que je crois pas, hein. Non, alors j'ai déposé une fleur hier mais je vais te déposer aujourd'hui. Bah tu regardes, je t'en dépose une autre comme ça, voilà, hop. J'avais plus de tulipes donc je te mets des petits pots de fleurs comme ça. D'ailleurs les amis, j'en ai pas parlé mais dites en commentaire si vous pensez que ça va être un gars ou une fille. Ça serait vraiment ultra intéressant de savoir si vous pensez que ça va être un gars ou une fille. Voilà, avant de connaître, parce qu'on va le connaître aujourd'hui, on est d'accord, hein. Bah normalement oui, on va savoir aujourd'hui, ça va être trop cool. Je suis stressée, hein. Oh là là. Ok, bah t'inquiète pas, tout va bien se passer, je suis là. Je vais pas t'amener, attends, je vais aller à la... Attends, bouge pas, fais pas trop d'efforts, tu vas te fatiguer trop vite. Voilà, je prends ma voiture de fonction, hop, voilà. Allez, viens. Ouais, j'ai éclaté ta boîte aux lettres. J'ai éclaté ta boîte aux lettres, désolé. Allez, let's go. Let's go les amis, à l'hôpital, normalement il y a, vous savez, maître Frédéric, monsieur Cazeneuve qui va opérer, enfin faire l'échographie. Donc c'est une échographie, on est d'accord, hein, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est une échographie, mais on va pouvoir savoir aussi si le bébé va bien aussi, c'est important ça. Ah ouais, nickel. C'est la première échographie, donc on va pouvoir savoir aussi s'il est en bonne santé, si tout va bien. Ah ouais, de ouf. Donc vous savez, monsieur Frédéric, c'est le médecin à chaque fois que je vais voir les amis qui nous avaient fait le test Covid, qui avait guéri mon fils et tout. Donc voilà, c'est un médecin très compétent, donc je ne doute pas de la qualité de son travail. Bon allez, let's go, on y va. Alors il faut monter quelques étages. Un peu de gel. Voilà, c'est bon.
Alors c'est là, Docteur Fred, regarde, hop, il y a un petit signe validé, ça veut dire que c'est un bon médecin, c'est un bon docteur. Bon, on va ah, toquer. Bon, c'est cool, alors. Entrez, entrez. Bonjour. Oui, Jeannette, je t'ai dit, tu me le passes après. Oui. Allez, j'accroche. Bonjour, monsieur Fred, vous allez bien, Docteur Fred? Bien et vous? Ça va, ça va. Ah oui, docteur Frédéric Cazeneuve, pardon. Bon, docteur Frédéric Cazeneuve, ma femme est enceinte, vous le voyez, ou à moins qu'elle a mangé trop de McDo, faut vous me dites en Arrête fait. Arrête de dire suis... ça. J'ai bien l'impression que c'est des McDo. j'ai fait un test de grossesse et il s'est avéré positif. Donc non, c'est pas les McDo, même si j'avoue que je mange beaucoup, mais c'est pas les McDo. Je vous assure, docteur Frédéric, que j'ai mis ma main sur son ventre et ça bouge pas mal. À moins que les burgers soient vivants, je doute qu'elle ait mangé trop de fois au McDo. À mon avis, c'est des bébés. Hein. Faut que je vous donne des pilules pour que je puisse faire une... Pour tuer le bébé, quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez pas tuer mon bébé, hein? Pour faire une échographie, en fait, c'est pour bien. Non. En fait, c'est pour bien voir le bébé en surveillance sur l'échographie, madame. Mais vous êtes sûre, hein? Bon. J'ai guéri le fils de monsieur ici présent. Il est actuellement surveillant. Franchement, là, c'est un truc de ouf. Fais ce qu'il te dit, mange les pilules et tu vas voir, tout va bien se passer. Ok. Tout va bien se passer. Moi, bon, attends. J'espère. Il y a plein de trucs bizarres ici. Ouais, faut pas trop toucher, sinon il s'énerve. Hein. Tiens, vas-y. Madame. Hop. Oh, mais c'est les bocaux dans lesquels j'ai fait pipi pour les analyses la dernière fois, docteur. Non. Oh non. Elle a... Non, bon, arrêtez de mentir. Non, c'est bon, ok. Bon, du coup, docteur Fred... Je vais vous prier de me suivre. Oui, on arrive. Mais il y a beaucoup d'étages dans votre... Eh, ça fatigue ma femme là. Ce sera ici. Oui, ils peuvent pas mettre des ascenseurs. Mais ouais, j'avoue, ils abusent. Je vais vous prier de vous mettre sur le lit. Ah ouais, faut se mettre sur le lit. Ah tiens, faut que tu te mettes. Oui. Tu sais, faut que tu te mettes allongé. Ah, c'est MPM1 normalement, je sais pas. Essaie de voir. Bon, docteur, ça va prendre combien de temps là tout ça? Ouah. Ça va prendre. Ah, compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Un humain lambda ne peut pas comprendre. Oui, ok. Quand je dis un humain lambda, je parle de quelqu'un qui n'a pas fait d'études de médecine. Ok. Bon, du coup, je vous laisse travailler, docteur. Ok, les amis, on a fait une petite coupure parce que docteur Frédéric devait ajuster ses appareils. Vous avez vu, on a changé de place le lit pour Miss Liv. Ça va, Miss Liv? Bah, il est pas très grand, le lit. Ah bah ouais, je vois ça. Dépasse. Je vois ça. Bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais passer nos dernières heures, on va les passer ensemble et tout va bien se passer. Voilà. T'inquiète pas, je noterai ta dernière phrase sur un carnet. On t'oubliera pas, Miss Liv. Mais qu'est-ce que tu racontes là, hein? Je vais pas mourir. Ah pardon, je crois. Ah ok. Bon, allez, docteur Fred, on y va. Ah monsieur, madame, monsieur, il y a une nouvelle. Peut-être vous plaire ou ne pas vous plaire. Attendez, vous avez commencé l'échographie là? Oui. Ah ok, d'accord, ok. Je vous la dirai juste après. Une nouvelle qui pourrait me plaire, ok. Ouais. Bon, ouais, elle est enceinte. Wouh, wouh. C'est ça, je crois, c'est ça la nouvelle. Ouais, bon, je pense que je peux sortir de là. Vraiment, j'avais trop peur de le casser. Hein. Donc, ah bah c'était rapide en fait. Là, hein. Je vais dans l'autre salle chercher les résultats. Ok. Bon bah, j'ai trop peur. Tu penses que ça va être un garçon ou une fille? Alors moi je parie sur un garçon. Je sais pas pourquoi je sens c'est un garçon. Attends. Moi je veux une petite fille. Viens. Hop. Ah bah monsieur. Viens, Miss Liv. Elle passe plus les portes, wesh. Bon, docteur Fred, y a quoi de nouveau là? J'ai l'échographie. Ok. Ici. Bah venez, on va dans la salle d'analyse. Ah ouais, c'est peur, vrai, c'est une bonne nouvelle, hein. Ah, regarde ton ventre, wesh. Regarde, t'as un squelette sous toi. Y'a rien, hein. Ouais, ah, y'a rien. Non, ça, ce n'est pas... C'est que du gras, regarde. Y'a pas de bébé. Non, ça, ce n'est pas... Non, mais c'est quoi? C'est que du gras, t'as signé que je suis grosse? Non, ça mais va pas, c'est la bon. Tête. C'est bon. Venez voir. Ah, c'est ça, mais wesh, j'ai pas demandé une photo de 1914. C'est quoi, ce noir et blanc, là? C'est comme ça, les échographies, monsieur. Attendez. Tirez des champs. Attends, quoi? Il y a deux bébés. Oh, il y a deux bébés? Mais wesh! Quoi? Un garçon et une fille.
Mais quoi, c'est des jumeaux? On avait tous les deux du coup. Oh, toi tu voulais une fille, moi je voulais un garçon. Bah voilà. Wow. Mais comment on va faire? On sait pas s'occuper d'un seul bébé, alors imagine deux. Ah bah ça c'est à toi de te débrouiller, moi j'ai déjà mon fils hein. Mais moi aussi j'ai déjà mon fils. Ah, ouais. Je l'ai pas eu quand il était tout bébé, je sais pas m'occuper d'un tout bébé. Bon bah on se démerdera. La garde alternée pour faire effet. Ah bah ouais, on pourrait faire ça, mais waouh, on a, c'est de regarder les amis, en fait c'est ça. Donc ça c'est le ventre, et là il y a un bébé qui est recroquevillé sur lui-même, et là il y a un deuxième bébé, voilà. C'est nos bébés, ils sont trop. Normalement il y a que un rond pour la tête et on voit le corps, mais là il y en a deux quoi. C'est un truc de ça ouf. Ça se voit qu'ils vont être trop bégé. Ah bah là j'ai déjà envie de leur trouver des noms là. Les amis en commentaire, mettez des noms. Bon bah en tout cas les amis, bah tous ceux qui ont dit en commentaire ouais c'est un gars, ouais ça va être une fille, bah vous avez raison en fait. Vous avez tous raison, donc comme vous avez raison, bah vous mettez un petit like, voilà, si vous avez raison, donc vous êtes obligé de liker là. Mettez un max de pouces bleus, oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Bon, je vais vous laisser, moi je dois retourner à mes occupations, c'est-à-dire soigner des enfants. Soigner des enfants, mais wesh. Ils vont bien les bébés, hein. Oui, ils vont super bien. Madame. Ah ouais. Ils sont en pleine forme. Ils courir un marathon. Non, pas dès le début, mais... Ah. Mais peut-être un semi-marathon, quoi. Ouais. Si on apprend à marcher, ils pourront courir un semi-marathon. Ouais. Ils apprennent, hein, comme ça, on leur fera faire des marathons et tout. Ça va être des fusées, nos enfants, là. Ça va être les futurs Mbappé. Bah oui, les futurs Mbappé. Bon bah merci docteur Frédéric Cazeneuve, vous êtes vraiment le meilleur des docteurs, le meilleur des chirurgiens, vous êtes vraiment le meilleur dans la matière. Tu vois, raconter une petite anecdote. Ouais, et moi aussi j'aurais une anecdote à raconter après, vas-y docteur Fred. Vous savez qu'il y a deux jours, sur l'autoroute, j'ai croisé Mbappé, il a dépassé en courant ma voiture. C'est vrai? Oui, c'est une vraie anecdote. Et bah félicitations à vous, vous aurez dû le dépasser pour montrer qui est le meilleur. J'étais à 90 km/h, donc imaginez. Et bah franchement vous aurez dû le dépasser parce qu'entre vous et Kylian Mbappé c'est quand même vous le meilleur. Voilà, je tiens à le dire. J'avoue que vous êtes le meilleur. Je tiens à le dire. C'est quoi ton anecdote à toi? Mon anecdote c'est que dans la vraie vie bah je suis aussi jumeau avec une fille, voilà, donc en fait mes parents ils ont eu la même nouvelle. Ils ont eu des jumeaux et un gars et une fille, voilà, parce que j'ai une sœur jumelle. Est-ce que je peux vous dire quel est mon vrai nom complet? Non merci, vous avez déjà un nom à rallonge. Docteur Jean-Bernard Frédéric Cazeneuve. Ah oui, bah voilà. Mais Jean-Bernard Frédéric Cazeneuve. Comment vous disiez quand vous étiez à l'école pour écrire votre nom? Il avait pas de place. Bah ouais, il devait pas y avoir de place dans la marge. J'avais pas assez de place, donc au brevet, j'ai dû prendre 3 copies d'affilée pour écrire mon nom. Mais wesh! Ah, mais c'est un crack. Wow. Bon, bah merci, docteur Jean-Bernard Frédéric Cazeneuve. Parce que j'ai pu m'enlever un prénom. Avant, je m'appelais Jean-Marc Bernard Jean-Frédéric Cazeneuve. Oui, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Bon, allez, au revoir, docteur Jean-Bernard Jean-Frédéric Cazeneuve. Allez. Au revoir. C'est un ouf. Je suis fatigué, moi, de tous ces escaliers là. Ah ouais, bah tu vas rentrer à pied en plus, parce que moi, je vais rentrer chez moi. Si je tombe, je vais rouler. Bon allez, let's go, je te ramène chez toi quand même. Je suis un gentleman. Bon, ouais, bah... quand même, c'est moi qui porte les bébés là. Tu crois qu'ils sont pas gros là, tes bébés? Et bah moi, je porte la femme qui porte les bébés, donc c'est encore pire. Regarde, dans une voiture. Eh, franchement, trop dur. C'est la voiture qui porte, c'est pas tout. Bah, je porte un peu quand même. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Eh, c'était vraiment un truc de fou. Tiens, je te dépose devant. Hop. Merci. Voilà. Et repose-toi à fond. Bah tiens, regarde. Oui. Eh, je suis obligé de t'ouvrir la porte encore, mais... Eh, dis donc, ça va, 2 minutes, tu sais quand même ouvrir une porte. Bon. Embrouille de couple. Bon, les amis, j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous avez eu tous raison en plus, ça c'est vraiment un truc de fou. On a bientôt le repas de Noël qui va arriver en plus. Ça aussi, c'est encore un truc de fou.
Et voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de partager à tous vos amis la vidéo et la chaîne. C'est le plus important. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes, Oxymose et Mizliv, parce que Mizliv aussi a son point de vue dans la vidéo. Et les gens qui regardent la vidéo de Mizliv en ce moment, bah, moi aussi j'ai fait la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Mizliv et Oxymose pour vous servir. Allez, ciao, ciao!